Bon, on est en plein convoyage retour de Port-Bourgeonnais. On est à 1,7 mille du port de Lorient. La saison sportive touche à sa fin. On vient de terminer la dernière course de la saison. Enfin, du coup, c'est l'heure des bilans. Moi, je suis hyper heureux de cette dernière course. Donc, c'était un trajet inédit pour moi, traverser du golfe de Gascogne. Bon, c'est pas quelque chose d'anodin. Il y a des mers qui sont plutôt dures. On a traversé un fond avec un peu de vent. Donc, ça a été un petit peu un grand saut pour moi dans le bain de la course au large. Et ma grande surprise, ça s'est super bien passé. J'ai pris mes marques assez vite dans la gestion globale de la course, dans le sommeil, dans l'alimentation. J'ai des bons lieux utilisés, ça m'a aussi un peu aidé au niveau du moral. Je veux dire que Florence, avec qui je travaille, m'avait mis de côté des bons petits lieux utilisés. Et puis autrement, au niveau de la course et sportif à proprement parler, il y a eu de la confrontation, il y a eu du sport. Et les personnes qui étaient là avaient pas mal d'expérience. Donc moi, ça m'a permis de bien apprendre à leur côté, de pouvoir jouer certains coups aussi en tête. Donc c'est assez rassurant pour la suite des événements, même s'il y a encore beaucoup de travail et je vais être occupé pendant les deux prochaines années qui vont me séparer du départ de la Transat. Je sais qu'il va falloir que je travaille notamment sur la nuit, sur le travail dans la nuit, la gestion de la course lorsque la lumière s'éteint. Là, c'est un petit peu plus dur pour moi. J'étais plutôt habitué à naviguer de jour, donc voilà. Mais en tout cas, c'est très rassurant, et puis ça pose le projet sur de bonnes bases pour les entraînements sur la saison à venir. Prochaine course, j'espère la Select 650 en avril prochain, fin avril. Donc il me reste 9 mois pour m'entraîner et valider les petits manques que j'ai vus dans ces courses et cette saison. En tout cas, je vous souhaite une bonne fin de mois d'août. Et puis une bonne rentrée pour ceux qui rentrent en cours et ceux qui rentrent travailler. Voilà. À bientôt à tous.